de travailler autour de, plutôt de la sexualité féminine. C'est vrai que la sexologie est un domaine très large. Je vais d'abord vous présenter, donc je suis Joëlle Bleuillot et mes amis se présenteront aussi, puisqu'ils sont autour de moi. Donc, je suis Joëlle Bleuillot, je suis psychologue clinicienne et thérapeute. Je fais l'hypnose depuis les années 80. J'ai été formée par Marc Rodin, pour ceux qui l'ont connu, les amis ici qui l'ont connu, après par Jean Godin, et puis bon, j'enseigne à l'Institut Milton Erickson d'Avignon-Provence, en hypnose. Et en ce qui concerne la sexologie, je suis directrice de l'enseignement de sexologie de Paris 13, depuis 1986. Enfin, j'ai commencé en 1986 et puis après j'en suis devenue la responsable. Voilà, j'ai un parcours donc classique au niveau de la psycho, très universitaire, et puis bon, j'ai une pratique évidemment quotidienne au niveau de la clinique, puisque j'ai un cabinet en libéral, où je vois des individuels pour des problématiques sexuelles et des couples. Et par ailleurs, j'ai une formation philosophique, donc j'ai un double cursus. Alors, je vais vous dire quelques généralités autour de la sexologie pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que peut-être. La sexologie, je ne vais pas m'étendre, mais c'est quand même important de ramener quelques bases. D'abord, la question de la demande. Alors, les patients qui viennent nous voir, ce qui est très particulier pour nous, les sexologues, que l'on soit psychologue ou médecin ou d'une autre profession de base, puisque les sexologues peuvent avoir d'autres professions de base, kinésithérapeute, sage-femme, infirmière, etc. Aujourd'hui, il y a l'examen national qui sanctionne les études de sexologie en 3 ans pour les médecins et 6 professions. Et puis il y a aussi tout le champ du social qui fait aussi la sexologie, éducation sexuelle, écoute dans les associations pour les problèmes de sida. Enfin, voilà. Donc il y a à la fois le côté soin et le côté plus éducation. Donc c'est important pour constituer un peu le paysage de la sexologie en France qui est aujourd'hui sanctionnée par des diplômes interuniversitaires. Alors, la demande des patients, ce qu'elle a de particulier en sexologie, c'est qu'elle arrive, moi je dis toujours, sur un plateau. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres demandes en psy, où parfois c'est un peu flou, on demande de travail personnel, avec de multiples symptômes, etc. En sexologie, les patients arrivent souvent avec un symptôme déjà très déterminé, s'assoient et ils vous disent « Je viens parce que j'ai une éjaculation précoce, parce que j'ai un problème d'érection, parce que j'ai un vaginisme depuis 15 ans, 20 ans, ça peut être ça aussi, ou j'ai une anorgasmie. » Donc si vous voulez, la particularité de la prise en charge, elle est extrêmement symptomatique dans la demande. Ça ne veut pas dire que nous, on va immédiatement travailler sur le symptôme, mais nous, on a tous les 3 une formation psychanalytique. Alors, je sais qu'ici, c'est un mot qui peut faire dresser les cheveux sur la tête de certains, mais ce n'est pas grave, nous avons les épaules suffisamment larges pour l'accepter. Et en plus, on est plutôt des psychanalystes ouverts sur plein d'autres approches. Moi-même, j'ai commencé mon cheminement par des techniques corporelles, des approches corporelles. J'ai fait beaucoup de relaxation, je fais une hypnose, puis mes amis, eux aussi, ont fait des approches très, très différentes. Donc, voilà. Donc, il faut vous dire qu'on aura peut-être un langage un petit peu psy, parce que, voilà, c'est notre façon de travailler. On travaille ensemble depuis très longtemps. Mais cette demande, elle est souvent très symptomatique. Et c'est à partir de cette demande-là qu'on va commencer à travailler en hypnose. Alors, je vais leur passer la parole, et puis après, on pourra vraiment vous expliquer les thèmes de nos travaux. Alors, je suis psychanalyste de l'école de Jung. Je le précise par rapport à mon discours de tout à l'heure. Je suis thérapeute de couple, mais en systémique, donc pas n'utilisant absolument pas l'hypnose. Et j'ai 2 formations d'hypnose, la clinique et la ericksonienne à l'Institut de Maison d'Arrondon. J'ai 2 cabinets, un à Paris et un en Avignon. Et en Avignon, je travaille exclusivement avec de l'hypnose. Je crois que c'est tout ce que j'ai envie de dire. Contrairement à mes 2 très chers collègues et amis, cependant, je ne suis pas sexologue. Que faire ? Une applaudisse, par contre.
suis un ancien professeur de philosophie qui a viré après dans le privé pour des raisons opportunistes, financières, entre autres. J'ai une formation de psychanalyste de l'école de Lacan, à l'époque elle s'appelait encore l'école de la cause freudienne, et je revendique cette appartenance encore aujourd'hui. Et j'adore. Voilà, puis j'ai fait la formation de sexologue, hypnothérapeute, clinicien d'abord avec Jeannot Arrault à l'époque, et puis ensuite Éric Saulnien à Maison La Romaine, voilà, avec Patrick Belay et Jean-Paul Espinoza. Puis depuis peu, je me suis formé aux thérapies comportementales cognitives. Bon, je vais avoir fraîchement mon diplôme. Alors, peut-être juste avant de commencer, je vais vous expliquer le choix de mon travail. Je voudrais dire qu'en sexologie, il y a quand même des points importants à dire avant de commencer, c'est qu'on est toujours à la marge du corps et du psychisme. Et que la dimension corporelle et physiologique est très importante. Donc on ne peut pas aborder un problème sexuel sans prendre en compte qu'il peut y avoir des causes réellement physiologiques. Alors, plus chez l'homme que chez la femme, ça on le sait. Pas, par exemple, avoir un homme qui vous met en première intention pour une dysfonction érectile sans faire un bilan, parce que ça peut y avoir des causes organiques. Donc, il est important, même si on utilise l'hypnose, que l'utilisation de l'hypnose soit absolument, que l'indication soit d'abord bien imposée, et puis que cette indication soit liée, dans certains cas, à toute une batterie d'examens ou de prise en charge par d'autres collègues et sur le plan physiologique. Donc ça, c'est quand même important pour ne pas se lancer comme ça, au hasard. Je crois que c'est toute une formation qui demande effectivement à connaître un peu toute la physiologie sexuelle et puis les mécanismes de mise en place des troubles. Mais c'est important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la sexualité, les troubles de la sexualité s'inscrivent toujours dans la relation. Même s'il n'y a pas de partenaire, le partenaire est toujours virtuel, quelque part. Les patients qui viennent nous consulter sont toujours dans une demande par rapport à une relation actuelle, s'ils seront dans un couple, ou possible, ou passé. Mais il y a toujours un tiers dans la consultation qui est quelque part. Donc ça, c'est important, parce que dans la relation, ce tiers a une place réelle, ou totalement fantasmatique, hein, mais en tout cas, ce tiers a une place. Donc ça, c'est important. Alors, moi, j'ai choisi de vous parler de la dimension du négatif dans la sexualité féminine. Alors, pour ceux qui ne sont pas sexologues, ça va déjà être une entrée un petit peu compliquée, mais en fait, c'est la pratique clinique qui m'a, amenée à m'interroger sur la force du négatif qui jalonne toutes les consultations, et en particulier donc les consultations pour troubles sexuels. Alors ce nom, les patientes l'expriment comme ça, prend la forme du refus. Alors, je vais vous expliquer comment, en proposant des cas. Le refus, le déni du corps, la dénégation face au désir ou au plaisir, et il s'inscrit dans une sexualité qui est comme construite en négatif. Soit sur un fond de conflit intérieur, qui s'inscrit dans le corps, soit sur un fond d'abus, par exemple de viol, et donc on peut aussi penser de quelque chose qui a à voir avec la mort. Il peut prendre aussi une forme qui est négative, comme l'introjection. Alors on va parler peut-être un petit peu de psychanalyse. L'introjection est un concept qui a été élaboré par Ferenczi, c'est-à-dire qu'on retrouve chez beaucoup de patientes le fait d'avoir introjecté une figure, par exemple une figure de grand-mère ou une figure de mère, extrêmement négative, très moralisatrice, et qui ensuite constitue
et construisent leur sexualité. Donc cette introjection en négatif est extrêmement puissante, ça on le retrouve très fréquemment. Donc, ce visage du non à l'intérieur de ces femmes, qui disent qu'elles n'ont pas de désir, pas de plaisir, pas d'orgasme, etc., etc., c'est une sorte de Janus. C'est pour ça que dans mon résumé, j'avais parlé de Janus, un rôle qui peut avoir un rôle interdicteur ou protecteur, un rôle qui peut être entre la révolte, on verra comment, et l'agressivité passive, et nous allons explorer donc tous ces points. Alors, en hypnose, nous, on ne pratique pas tout à fait de la même façon que nos amis du continent américain ou nord-américain. C'est vrai qu'on prend en compte peut-être plus effectivement l'histoire du patient, c'est important. Et on ne pourra, à mon avis, pas prendre en compte un trouble sexuel sans rentrer dans l'histoire sexuelle de ce patient, de cette patiente. Donc il ne va pas s'agir, d'apprendre à dire oui quand le patient dit non, certainement pas. Et si le consentement est impossible, eh bien on va plutôt aider la patiente à appréhender le sens de son refus, de son manque de désir, de son manque de possibilité de partage, de son manque d'accessibilité à la sensualité, de son manque de possibilité d'être excité, de son manque de satisfaction, plutôt que de lui l'obliger à dire oui à quelque chose auquel elle ne sera pas consentante. Donc cette question du consentement est extrêmement importante. Et pour moi, c'est le centre même de la thérapie, c'est le respect de l'autre. Et je ne peux pas travailler autrement. Donc, dans l'hypnose, il y a une forme de dialogue. Hein. Si vous avez été formé aux techniques hypnotiques, on peut utiliser un dialogue intérieur. Et c'est ce dialogue intérieur qui va se faire entre l'esprit, la volonté qui dit oui, et le corps qui dit non, puisque c'est ça. Je voudrais avoir du plaisir, et mon corps dit non. Je voudrais avoir un orgasme, et mon corps ne répond pas. Donc l'esprit dit oui, le corps dit non. La réponse est corporelle et négative. C'est pourquoi, on en a parlé tout ce matin, ça a été abordé un peu aussi cet après-midi, mais pour moi l'hypnose est une thérapie corporelle. C'est pas essentiellement une thérapie corporelle, mais c'est aussi beaucoup une thérapie corporelle. Alors, la sexualité féminine est un terrain très fertile pour l'expression de ce négatif. Alors, je vais vous citer quelques exemples cliniques et vous allez un peu comprendre comment ce négatif peut s'exprimer. Je vais vous faire quatre portraits. Je vais garder le temps aussi pour laisser la place à mes amis et ensuite à la discussion et puis après on pourra avancer. Alors, Fanny d'abord. Fanny, elle consulte pour un vaginisme primaire, c'est-à-dire elle n'a jamais eu de rapport sexuel avec pénétration. Primaire, ça veut dire que c'est un symptôme donc, qui arrive dans un début de non pas forcément dans un début de vie, mais sans avoir eu un mode de fonctionnement, je dirais, entre guillemets, normal. Donc, elle consulte pour un vaginisme primaire qui est une hypercontraction involontaire des muscles du vagin. Elle est vierge et elle a 33 ans. Elle se dit fermée, bloquée, incapable de se détendre. Elle constate une ambivalence entre sa volonté affichée et consciente, donc, on parlait de conscience, d'avoir des rapports comme tout le monde, qui est évidemment en relation à la norme, et la réaction de fermeture involontaire de son corps, involontaire et inconsciente, et qui prend cette forme du refus. Il y a donc là une ambivalence entre sa volonté de pouvoir avoir des rapports pour des raisons qui sont les siennes. Alors, chez certaines patientes, ça peut être pour être mère, pour mettre en route une grossesse. Pour d'autres, c'est pour avoir un rapport sexuel avec le compagnon, pour avoir une sexualité comme tout le monde. Les motivations peuvent être très, très différentes. Hein. Mais, donc, il y a une ambivalence entre cette volonté et cette réaction qui est donc très souvent rencontrée dans le régime. L'examen psychodynamique sexologique montrera une capacité à vivre sa sexualité externe, c'est-à-dire du désir, oui, du plaisir clitoridien, oui, un certain goût pour la sexualité, oui, et donc des rapports sur un certain mode extérieur, enfin,
une relation à sa sexualité sur un mode extérieur de son corps. Et dans le même temps, une incapacité de représentation de son intériorité. Ni visuellement, on a parlé de l'image ce matin, c'était intéressant parce que Boucher a très bien dit, l'image, ce n'est pas qu'une image. Et quand ces femmes sont dans cette difficulté de représentation interne, elles sont dans une difficulté de représentation sensorielle, de sens. Enfin, voilà, c'est pas seulement que l'image. Donc, ni visuellement, ni sensoriellement. Par ailleurs, ce refus se greffe sur une peur de l'intrusion qui interdit l'accès de son corps à l'autre dans le plaisir. Donc, la dimension de la relation est importante. Et trois pistes vont pouvoir être explorées là en hypnose psychodynamique. Donc, le sens de son refus, la relation à son corps, intérieur-extérieur, disponible-indisponible, ouvert-fermé, et là on peut utiliser des métaphores, etc. Sa position vis-à-vis de l'étranger. Alors, quand je dis l'étranger, c'est l'autre. Je ne vais pas utiliser l'autre au sens lacanien du terme, mais l'étranger, c'est celui qui est étranger à moi. On retrouve très fréquemment chez ces femmes qui ont des vaginismes primaires, donc avec souvent des virginités, puisque souvent elles n'ont jamais eu de rapport sexuel, cette impossibilité d'être en relation avec l'étranger, c'est-à-dire celui qui est étranger à moi-même et a fortiori à faire entrer l'étranger en moi. Et on verra tout à l'heure, donc je donnerai quelques pistes un peu plus tard pour la dimension thérapeutique. Deuxième exemple, Gaëlle a 28 ans. Elle se plaint de douleurs pendant les rapports sexuels, ce qu'on appelle en sexologie une dyspareunie. Elle a consulté plusieurs gynécologues qui n'ont rien trouvé sur le plan organique. L'entretien révèle que ces douleurs sont plutôt orificielles. Alors, on a toujours, alors c'est là où c'est important de connaître bien toute la physiologie sexuelle. Deux formes de dyspareunie, une orificielle, une profonde. La profonde laissant entendre vraiment une difficulté organique sous-jacente, du type endométriose, etc. Dans les dyspareunies orificielles, il y a plus rarement des difficultés physiologiques, sauf qu'on peut trouver des fissures, etc. Mais c'est plus rare. Donc, une dyspareunie orificielle qui, une fois la pénétration effectuée, disparaît et laisse la place à une sensation de plaisir et peut aller jusqu'à l'orgasme. Les réactions physiologiques de l'excitation ne sont pas toujours présentes, donc une lubrification qui est le signe de l'excitation irrégulière. Gaëlle dit accepter la sexualité avec son compagnon, sauf que il me faut toujours passer par cette porte où j'ai mal. Vous donner des idées, hein, parce que tout ça, toutes ces petites pistes, on va les récupérer après. Hein, on va aller tirer les fils de tout ce qui se dit et qui pourra être récupéré et réutilisé en hypnose ou dans les métaphores. Le refus prend ici la forme d'une douleur sensorielle, douleur qui parle d'une difficulté de se laisser porter par l'excitation, et la connotation négative de l'excitation pour certaines femmes, mais aussi les effets anticipatoires de la peur qui seront à démêler. Parce que souvent, on mélange l'anticipation négative, j'ai peur d'être pénétrée, avec la douleur qui elle-même peut avoir lieu au moment de la pénétration. Et il y a une espèce de cercle vicieux qui s'installe entre l'anticipation négative, la peur et la douleur. Et c'est intéressant de pouvoir faire le tri dans tout ça et que cette femme puisse prendre bien conscience qu'il y a d'abord d'un côté la peur et de l'autre côté la douleur. Troisième cas. Rosa n'a plus d'appétit sexuel. Elle le dit comme ça, d'appétit sexuel. Situant son manque plus du côté du besoin, l'appétit, c'est le besoin, c'est du côté du besoin, donc se nourrir, processus vital, que du côté du désir, qui implique l'autre. Donc, c'est intéressant d'écouter cette femme quand elle dit « je n'ai plus d'appétit ». Ce n'est pas la même chose que quand elle dit « j'ai plus de désir ». Elle refuse tout contact. Elle refuse que son compagnon la touche sensuellement et sexuellement. Son refus prend aussi la forme d'une rationalisation. Je pourrais vivre sans sexualité. Alors ça, on en a à l'appel, des personnes comme ça qui viennent, soit dans un trouble primaire ou secondaire, par exemple, après une grossesse, des accouchements, etc., un accouchement, etc., qui disent je pourrais tout à fait me passer de sexualité et je pourrais aller comme ça jusqu'à la fin de ma vie sans rapport sexuel. Quand on l'interroge sur les débuts de son histoire sexuelle, elle évoque des premières expériences plutôt satisfaisantes avec son premier amoureux. Elle parle de plaisir partagé, mais remarque que pour les trois histoires qui ont jalonné sa vie, sexuelle et amoureuse,
avant sa dernière rencontre, il y a 2 ans, avec son compagnon actuel, cela s'est terminé de la même façon. Elle se lasse, elle passe un temps à espérer que cela revienne, elle espace les rapports et finit par ne plus avoir envie du tout. Cette fois, dans cette histoire, elle a peur de perdre celui qu'elle aime et avec lequel elle envisage de fonder une famille. Et lui est très patient. Donc, un trouble du désir qui nous mène donc au quatrième cas, qui est Caroline, 42 ans, qui est une jeune femme dynamique et souriante, qui est comédienne, intermittente, précise-t-elle, qui commence par dire « j'ai l'impression de ne pas avoir d'orgasme ». Elle est célibataire, elle dit avoir eu beaucoup de partenaires sexuels, elle évoque une enfance assez stricte, et d'ailleurs, elle a beaucoup de mal, ça c'est très... Moi, comme vous l'avez compris tout à l'heure, je suis très attentive à la façon dont les patients d'abord s'expriment. Tout ce qu'ils montrent dans leur corps, y compris dans le non-verbal, dans leurs expressions, dans leur façon d'être, dans leur façon de bouger, dans leur façon d'être dans l'espace, dans leur mimique, etc. Et pour elle, j'ai remarqué qu'elle a un mal fou à prononcer des mots plus spécifiquement sexuels, qu'elle accompagne souvent d'expressions du visage très négatives qui évoquent une gêne. Elle fronce le nez dès qu'elle aborde des pratiques en contradiction avec la liberté qu'elle a acquise en ayant plein de partenaires. Par exemple, cunnilingus, elle ne peut pas le prononcer sans... C'est très difficile pour elle de prononcer ces mots-là, ces mots sexuels. Qu'elle dit d'ailleurs, hein, ce n'est pas moi qui lui demande de le dire. Hein. Très vite, elle évoque des attouchements de quelqu'un de proche. Et je ne veux pas que mes parents le sachent, me dit-elle. Je l'adorais et de toute façon, il est décédé. Première consultation, paf, voilà, ça sort comme ça. Elle ne veut, alors elle me dit aussi, je ne veux pas creuser cette période. Donc, voilà, elle pose déjà le contrat, hein, et elle me met dans une situation très particulière hein, en disant ça. Elle dit ne pas vraiment connaître de sensations clitoridiennes, mais d'être vaginale uniquement. Ce qui est assez rare, puisque souvent, on a plutôt l'inverse quand même. Hein. Donc cette femme a plutôt intégré son intérieur. Elle dit, je suis vaginale. Alors, l'histoire vaginale clitoridienne, on pourra revenir dessus, mais ce serait toute une histoire parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Hein. Mais il n'empêche que les patients parlent comme ça. Et de toute façon, dit-elle, les hommes sont égoïstes et on se fait avoir. Voilà, vous avez 4 histoires cliniques qui viennent à moi tous les jours. Alors, je pense que les sexologues qui sont là reconnaissent ces patientes. Regrouper un petit peu tout ce qui pouvait les caractériser. Alors, on va voir un petit peu comment, dans ces différentes facettes, l'expression du négatif dans les troubles de la sexualité peut prendre forme sous la forme du refus. D'abord, le déni du corps et des sensations. Deuxièmement, la peur sous toutes ses formes, de l'autre, de l'intrusion, de l'inconnu, du lâcher prise, et avec derrière le spectre de la mort, hein, voire d'une dissociation psychique. La perte, il y a toujours souvent l'idée de la perte du paradis perdu, ou l'impossibilité d'accéder à ce qui est rêvé. Et ensuite, l'impossibilité de la mise en place d'une relation d'intimité. Alors, Alors, derrière ces formes se cache le sens. Alors, je me suis... attaché à aller voir ce qu'André Green, que peut-être certains connaissent, a travaillé au niveau du négatif parce qu'il me semblait que c'était important, puisqu'il nous dit la négation est comme ça un symbole permettant de s'affranchir de la compulsion du principe de plaisir. C'est très psychanalytique, André Green est un psychanalyste, mais je trouve que c'est assez intéressant qu'à partir des travaux de Freud, quand même, de la psychodynamique, psychanalytique, il distingue dans le travail du négatif. D'un côté la négation comme opération de langage, de l'autre côté le refoulement. On retrouve au niveau, on a parlé de la mémoire du corps ce matin, mais ça c'est vrai, il y a vraiment une vraie mémoire du corps, mais il y a aussi une mémoire du refoulement. Ces femmes refoulent cette relation qu'elles peuvent avoir à leur intérieur et le déplaisir. Donc c'est comme un processus de négativation qui concerne la relation entre les pulsions. Et notamment entre Eros,
l'érotique et la pulsion de destruction. Donc, deux fonctions au refus. Une fonction structurelle et relationnelle, alors, qui peut s'exprimer par exemple chez certaines femmes par une forme de masochisme. Dans ce cas, c'est une. Alors, c'est très intrapsychique ce que je vais vous dire là, c'est une partie de soi qui est érigée en persécuteur. C'est-à-dire le fait de ne pas être comme tout le monde, par exemple. C'est une partie de soi qui. Vraiment, alors là, c'est très intéressant au niveau de la dissociation. On voit vraiment des femmes qui sont à ce niveau-là extrêmement dissociées. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui les persécute et c'est vraiment très à l'intérieur d'elle-même. Soit c'est l'autre qui les persécute, l'autre dans sa réalité. C'est-à-dire, alors on voit très souvent ça dans la question qui se pose au niveau de la fréquence des rapports sexuels, quand il y a des décalages de fréquence. Il a toujours envie. Les hommes ne pensent qu'à ça. On entend tout ça. Moi, une fois tous les 15 jours, ça me suffirait. Lui, c'est tous les jours. Ça peut aller jusqu'à mon mari est un obsédé sexuel. Alors, ce n'est pas l'obsédé sexuel, c'est simplement il a une demande qu'il exprime. Donc voilà, donc cette mise en situation de l'autre comme bien est très très fréquente. Donc il peut se mettre en marche une espèce de paranoïa rampante qui est ressentie comme une intrusion qui est destinée, alors ça c'est André Green qui le dit, à répéter une frustration éternelle aux manœuvres de l'autre. Alors quand on parle de masochisme, le sadisme n'est pas très loin. Très souvent aussi, il faut savoir que, en particulier dans les troubles du désir chez la femme, c'est elle qui a le pouvoir sur le couple, sur la sexualité du couple. C'est pas vrai d'ailleurs que pour la femme, c'est vrai aussi pour l'homme, parce que c'est beaucoup d'hommes qui viennent pour des troubles du désir, des décalages de désir dans leur couple, mais c'est toujours celui qui en a le moins qui a le pouvoir. Puisque c'est lui qui décide de quand ça se fera, quand ça se fait pas, quand ça se fait plus, etc. Donc le pouvoir, il est entre les mains de celui qui a le moins de désir. C'est pour ça que cet aspect sadique qui peut être aussi important, parce que ça peut avoir un rôle vraiment dans le couple au niveau de la géographie du couple. Alors, ce qu'on peut noter aussi, je vais peut-être aller un peu plus vite parce que je vais juste terminer par ce qu'on peut faire en hypnose. Donc, deux choses. On peut trouver aussi une forme de clivage au niveau de la recherche du plaisir, et c'est l'une des racines du travail du négatif. Est celle de la dissociation entre plaisir et déplaisir. Et ceci peut prendre la forme d'une recherche de non-déplaisir, qui est d'abord un évitement. Alors ça, l'évitement, on le retrouve très très fréquemment aussi dans le trouble de la sexualité. Alors là, je vais juste faire une petite... On le retrouve beaucoup chez les hommes, par exemple, au niveau des hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. Cette dimension d'évitement est très très opérante, parce que souvent, ils finissent par ne plus avoir de relation du tout. Ils évitent totalement. Donc, voilà, ça c'est un premier, cette dimension clivage plaisir-déplaisir. Et puis le troisième point, c'est la question aussi du rôle capital qui est joué par la dépendance et entre la dépendance et l'indépendance par rapport à l'objet d'amour. Hein. On va prendre les théories uniformes, mais c'est quand même autour de ça. Et ça a un effet quand même extrêmement actif dans la sexualité féminine. Et puis enfin, évidemment, toute la question des instances morales, moralisatrices, qui sont très puissantes. En psychanalyse, on appelle ça le surmoi. Et moi, j'ai envie de dire que ce surmoi, qui est souvent cruel, dévastateur, on a parlé de l'introjection des figures maternelles, non maternelles, etc., il naît de ce surmoi, souvent un sous-moi. Un sous-moi qui est bâillonné, bloqué, coincé. Et Freud a dit d'ailleurs que le sentiment inconscient de culpabilité, parce que derrière cette histoire d'instance morale, il y a beaucoup de culpabilité, alors il n'a pas dit des bêtises, hein, rend le patient amoureux du malheur. Alors, juste pour terminer, Janus, j'en ai parlé tout à l'heure, je voulais vous dire que c'est intéressant cette figure de Janus parce que c'est le dieu des portes et il préside à l'ouverture de l'année à la saison de la guerre. Donc, bon, c'est intéressant cette métaphore de Janus puisque c'est lui qui permet le passage donc, chez toutes ces femmes qui, effectivement, ont des difficultés dans le passage souvent dans leur corps, c'est-à-dire
au niveau de leur sensibilité vaginale, de l'extérieur vers l'intérieur, parce que c'est plutôt dans ce sens-là que ça marche, que les difficultés naissent. Pas de l'autre côté, souvent sur les femmes qui peuvent avoir des enfants. Donc le passage de l'intérieur vers l'extérieur est possible. C'est le passage de l'extérieur vers l'intérieur qui est difficile. Donc voilà, Janus aimait bien faire son petit, un petit clin d'œil là. Et alors, comment utiliser l'hypnose dans ce repérage? Alors, d'abord, mettre la patiente en contact avec cette dimension du nom qui est en elle. Et à quoi ramène ce nom? Alors, on peut, par exemple, penser à une... Je pense à une de mes patientes pour lequel ce nom l'a ramené à une opposition quasi générale pour toutes ses relations avec son copain, et qui, au bout d'un certain nombre d'entretiens, finalement, on a compris ensemble que ce nom l'a ramené à 18 mois, 2 ans, hein, le moment où le nom se crée chez l'enfant. C'est-à-dire que vous avez des petits-enfants qui disent non tout le temps. Vous connaissez tous cela. Et bien voilà, Sophie, elle avait 30 ans, et elle est encore en train de dire non tout le temps à tout ce qu'on pouvait lui dire, y compris dans la sexualité. Donc elle a pris conscience de ça, et on a travaillé en régression en âge, en hypnose, sur cette période. Et ça lui a permis, en revivant cette période en hypnose, de recréer une nouvelle relation au monde et à l'autre, autrement, et donc de pouvoir créer une relation à son copain et donc dans la sexualité, par définition, autrement. Donc voilà. L'acceptation aussi de renouer avec ses sensations, avec l'idée d'une relation peut-être érotisée, et que l'excitation est acceptable sans la mettre en danger dans la dimension narcissique. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que je vais passer la parole à mes amis. Alors, il y a une chose, juste je terminerai, une chose quand même qui me semble importante. Il ne faut pas à tout prix rendre positif ce qui agit en négatif chez le patient, parce que ce négatif peut aussi être protecteur. Nous avons à faire attention à cela, et parfois on doit accepter que le symptôme existe, l'accompagner et éviter parfois que le symptôme ne s'éteigne. On n'est pas là forcément pour le symptôme seul, et c'est important parce que ce symptôme il a aussi une valeur. Et il est peut-être aussi négatif, protecteur contre l'éclatement de la personnalité ou l'intrusion, et puis il y a toujours cette dimension du consentement qui est à prendre en compte. Je voulais te demander, est-ce que dans l'exemple que tu donnes, tu veux dire que le passage par le travail en hypnose a permis à cette patiente de pouvoir accéder à une sensation de plaisir, à accepter que ces sensations soient de l'ordre du plaisir? C'est ça que tu veux dire? Oui, ce que je veux dire, c'est que, tu parles de la dernière, ce que je veux dire, c'est que mêlant hypnose et psychothérapie, ce qui est mêlant entretien et hypnose, quand on travaille en sexologie, on ne fait pas une hypnose la première fois. On a beaucoup d'entretiens, et puis ça dépend aussi de là où on est le patient. Il y a des patients qui viennent pour travailler sur une chose très précise, et on travaillera sur une chose précise parce que ce n'est pas leur demande d'aller plus loin que d'autres qui sont capables. Alors on parlait de perlaboration tout à l'heure, moi j'aime bien le mot élaboration, tout simplement, capable d'élaborer, d'avancer, et puis voilà, puis de faire des liens, et puis de penser, de rêver, de tout ça, on l'utilise en hypnose. Et évidemment, cette patiente, à un moment donné, il a été question de quel sens pouvait avoir pour elle ce nom, et on est revenu dans la psychothérapie à cette période de 18 mois, 2 ans. Et c'est à partir de là qu'on a pu faire, on a pu travailler en hypnose, en régression en âge, que vous connaissez sans doute tous, qui faisait l'hypnose. Et à partir du moment où elle a revécu cette période, voilà, elle s'est resituée, où elle était, 18 mois, 2 ans, avec sa mère, son père, qu'est-ce qui se passait, pourquoi elle disait non, comment elle le disait, enfin, tout ça, toute son histoire, qu'elle a refaite à sa façon, hein. Ça n'a rien à voir avec le réel d'ailleurs, c'est que du fantasme, mais on s'en fiche complètement, hein, elle imagine, voilà, et on l'accompagne dans la séance d'hypnose. Et à partir de là, il y a quelque chose qui a basculé du côté de l'élaboration pour elle, et de lui permettre de reconstruire quelque chose de positif dans sa relation à son moment. Voilà, c'était cet exemple très précis vous donner. Alors on aurait pu reprendre chaque cas, mais je crois qu'il faut un entier. Mais chaque, les quatre cas que je vous ai donnés, on pourrait prendre chaque cas et tirer les fils qui pourraient nous être utiles, hein, en hypnose, et quoi travailler pour l'une, pour l'autre, et sans doute aussi que chaque thérapeute trouverait lui-même ses propres fils, et chaque patient. Hein, ce sont eux des propositions.
Bien, donc moi je vais vous parler d'un cas de vaginisme, c'est le cas de Lucrèce. Et un vaginisme qui a disparu après avoir utilisé au cours d'une séance de thérapie un nœud borroméen comme support de la séance. Alors je suis un peu embêté de ne pas pouvoir faire mon PowerPoint, parce que je vous avais fait un très joli dessin du nœud borroméen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'est le nœud borroméen ? D'accord. Alors, je vais faire mon numéro de magie, alors. Voilà. Alors, le nœud borroméen, quand vous le voyez dessiné, c'est trois nœuds de superficie égale qui sont intersectés. Donc là, je fais un nœud, voilà. Et chacun de ces nœuds représente, dans le moment du séminaire de Lacan, où il a commencé à introduire les nœuds dans le travail de l'approche psychanalytique, il y a un nœud, voilà, si vous avez un nœud, qui représente le symbolique, vous avez un nœud qui représente l'imaginaire, parce que j'en parle de Bourméen, il y a très peu de gens qui savent le faire dans la réalité. Donc, ça prend tout le temps, enfin pas trop quand même. Pour ceux que ça intéresserait, à la fin de l'intervention, je vous montrerai comment on fait du nœud Bourméen. Donc, il y a un deuxième nœud, on va dire, être le imaginer, par exemple. Donc, vous mettez ce nœud sur l'autre, ce qui fait que vous avez ces deux nœuds qui sont comme ceci, n'est-ce pas, et qui sont intersectés. Et le troisième nœud, c'est le nœud qui correspond au réel chez Lacan. Le réel étant un concept extrêmement difficile, que je dis moi être ésotérique, et qui est le troisième cercle donc dans ce nœud borroméen. Donc au milieu de ce nœud intersecté. Voilà. Oui, je veux bien que je m'aide à maintenir ça pour l'instant. Donc, au milieu de ce nœud intersecté, vous avez le quatrième registre. Pas d'autre souci. Et là où est ma main, là, prise dans ce nœud, c'est ce qui correspond à la réalité perceptive externe, que j'appelle euclidienne, parce que ça permet d'être mesuré, ça permet de faire les surfaces, les volumes, etc. C'est quelque chose qui, comme le dit, il faut que ce soit une réalité qui soit contrôlable par tous, avec les mêmes critères d'évaluation, vérité et de justice. C'est une citation de François Perroux que vous trouverez dans l'introduction aux œuvres complètes de Karl Marx dans le volume Économie 1. Donc je vous recommande la lecture, parce que c'est vraiment génial. Vous ne lisez que ça, en tout cas après c'est pas la peine. Hein. Marx, c'est plus à la mode aujourd'hui. Enfin il revient, c'est vrai. Bon, voilà. Donc voilà le nœud borroméen. Alors, ah oui, donc le réel, c'est un concept un peu ésotérique, mais pas tant que ça finalement, oui. Parce que je peux vous introduire à votre réel immédiatement, enfin si vous le voulez. Bon, passons. Donc, si je vous demandais par exemple, quel est le nombre de pas marchés que vous avez fait depuis ce matin où vous vous êtes levé, jusqu'à maintenant, vous êtes assis en face de moi, vous ne retrouverez jamais plus le nombre de pas réels que vous avez fait. Dans le sens que je dis qu'il est ésotérique, et cependant vous comprenez que ces pas ont réellement eu lieu, vous ne pouvez pas les mettre de côté. Et même s'il y a des obsessionnels dans la salle qui voudraient reconstruire le nombre exact de pas qu'ils ont fait depuis ce matin et qui se sont levés,
en comptant avec l'empan de page, je fais 80 cm, je suis allé pisser, faire chauffer l'eau de montée, prendre ma douche, etc. Même en faisant ce calcul extrêmement pointilleux, ils ne retrouveront jamais le nombre réel des pas. Donc le réel chez Lacan désigne à la fois ces éléments qui ont eu une réalité et auxquels on ne peut plus avoir accès aujourd'hui. Pourquoi le réel doit être distingué de la réalité perceptible externe? Bon, ce que nous allons voir ici avec le cas de Lucrèce, c'est quel lien il peut y avoir entre la vision perceptive externe d'un objet, c'est-à-dire l'image mentale qu'on peut en avoir, et ce que Rossi appelle la transduction que celle-ci amène via les émotions dans les modifications du corps. Or, Lucrèce est une femme grosse, assez élégante, âgée de 42 ans, et mère de 4 enfants, 4 filles, 14, 12, 10 et 3 ans. Elle travaille comme sage-femme dans un hôpital, mariée depuis 13 ans avec un mari qu'elle connaît depuis 20 ans. Elle a eu dès le départ des relations sexuelles difficiles. Depuis la naissance de l'avant-dernière de ses filles, elle est dans un état dépressif chronique et a pris 20 kilos. Elle dit que ce poids et cet enlaidissement la protègent des rapports sexuels extrêmement douloureux qu'elle a avec son mari, qui ne la prend pas au sérieux quand elle dit qu'elle a mal et l'accuse de simuler des douleurs pour éviter des rapports sexuels avec lui. Plus jeune, elle fait un épisode anorexique pour emmerder sa mère, me dit-elle. Et quand je lui demande comment se sont passées ses premières relations sexuelles, elle me répond, mais lesquelles de premières? Alors je dis, pourquoi vous avez eu plusieurs premières? Alors, oui, répond-elle en fondant en larmes. Et elle me raconte qu'elle a eu des attouchements sexuels de la part de son père quand elle avait 8 ans. Ça, c'est ses premières expériences. Et puis de son oncle paternel qui, lui, l'a défloré dans sa chambre d'enfant quand elle avait 12 ans, pendant que ses parents étaient allés faire des courses au supermarché. C'était une défloration extrêmement douloureuse qui lui a noué le ventre. Tellement je m'étais contracté, tellement j'avais peur, j'avais serré au maximum pour empêcher la pénétration, mais ce salaud y est arrivé. Elle veut se débarrasser de ses douleurs sexuelles, je lui demande pourquoi elle vient faire cette démarche, pour devenir une vraie femme. Toutes les démarches thérapeutiques qu'elle avait tentées avant ont échoué. Psychanalyse, gestalt-thérapie, kinésithérapie spécialisée. Alors quand je demandais ce que c'était qu'une kinésithérapie spécialisée, elle me répond que c'est une thérapie centrée exclusivement sur le sexe. Sophrologie, acupuncture, toutes ces thérapies n'ont mené à rien et ces douleurs spastiques sont toujours là, répétitives et persistantes. Une amie à elle que j'avais eue comme patiente lui avait conseillé de faire de l'hypnose. Je lui demande si elle va pouvoir s'engager dans ce travail ou bien si elle va rajouter l'hypnose à son long palmarès de thérapies qui ont échoué à la guérir. Je pensais à ce qu'Erickson appelle les chasseurs de scalp, vous savez. Il est défini comme ça, ces personnes dont le but est de faire le tour des thérapeutes pour les mettre en échec. Alors pour travailler avec elle, j'ai utilisé comme support la grille CK de Jean Cotreau, et puis une intuition clinique pendant le travail thérapeutique, j'ai employé le nœud borroméen dont je vous ai parlé tout à l'heure et je vais vous mettre en pratique après. Alors, bon là aussi j'avais... pas voir le... Or, dans la grille CK, bon, alors, S veut dire situation. C'est-à-dire que tous les soirs, ou à certains moments pendant le week-end, c'est le fait pour Lucrèce de devoir faire l'amour et d'avoir des douleurs. E, les émotions, la peur, la culpabilité, la dévalorisation de soi, accompagnée de pensées automatiques et d'images mentales du type « je ne suis pas une femme, je ne suis pas normale, je suis sale ». C, les cognitions. Elle sait que d'avoir des douleurs est anormal. Elle sait que le vagin peut se dilater, ne serait-ce que pour faire passer un bébé. Elle en voit tous les jours, elle est sage-femme. Et elle sait que c'est sans doute lié à son histoire d'inceste. C'est les comportements. Elle fuit les rapports sexuels, prétexte toutes sortes de raisons pour éviter le rapport, mange beaucoup pour rendre son corps indésirable. Et A, les anticipations. Lucrèce, dans le schéma anticipatif de l'échec, elle renforce ses douleurs
en en construisant un schéma fonctionnant comme une auto-hypnose. Ça va faire mal. Et du coup, le corps se crisse. Le corps se serre encore plus. Le corps se noue davantage. C'est à ce moment-là que j'ai utilisé au cours d'une séance le nœud borroméen de Jacques Lacan. Donc, le nœud borroméen est emprunté aux armoiries des ducs de Borromée, là, du nord de l'Italie, où il figure sur leur blason. Il s'agit de trois nœuds internoués. Alors, je vais les internouer, donc en voilà un, en voilà deux. L'arrêt, quand on les a mis l'un sur l'autre, c'est avec le troisième, qui pour l'instant n'est pas noué, voilà, et qui est le fil normal. La règle, c'est dessus, dessous, dessus, dessous. Donc là, je passe sur le cercle externe, dessus, je rentre dessous, je vais sur l'autre dessus, et je ferme, le nœud. Alors, la caractéristique du nœud borroméen, c'est que si vous tirez sur deux nœuds, par exemple symbolique et imaginaire, c'est le réel qui fait blocage. Si vous tirez sur le réel et le symbolique, c'est l'imaginaire qui fait blocage. C'est-à-dire, en tirant sur chaque fois deux nœuds différents, le troisième reste bloqué. Alors, j'explique à cette patiente, je lui fais un dessin sur une feuille de papier où je lui présente le nœud borroméen en lui disant, là c'est le symbolique, là c'est l'imaginaire, là c'est la réalité perceptive externe, etc. Et je mets au milieu, le serrage du nœud peut avoir fait lien
dans sa pensée avec l'activité motrice du serrage du vagin. 2. Nous pouvons avancer aussi, là je suis très, très prudent dans ces hypothèses que j'avance là, nous pouvons avancer aussi que le fait de demander à notre patiente de tirer musculairement sur les cordes est un acte paradoxal dans la mesure où 1. Elle est obligée d'écarter les bras vers l'extérieur alors que son mouvement vaginal, musculaire, est centripète. Mais en même temps, elle voit que son action enserre très fortement le stabilo qui est au milieu et qui peut symboliser un pénis en érection. 3. Cette action et ses conséquences traduisent bien la dissociation mentale que peut vivre Lucrèce, écartelée entre un « je ne veux plus avoir mal », réponse cognitive, corticale, volontaire, et la réalité des contractions vaginiques, qui est la réponse diencéphalique du système limbique. Et de plus, dans le fait de voir un nœud dans la réalité perceptive externe, a sans doute permis à Lucrèce de faire des liens entre son histoire et son problème actuel. Cet exercice a fait écho à ces signifiants utilisés de manière répétitive dans la sémantique du nœud au double sens, le sexe, et d'enlacement d'éléments attachés. Nouer le ventre, serrer, serrer. Lacan disait que dans toute démarche thérapeutique, il y avait 3 temps, auxquels il rajoutera plus tard un 4e. Le temps pour voir, le temps pour comprendre, le temps pour décider. Le temps pour voir est le temps de la prise de conscience de la répétition du symptôme. Le temps pour comprendre est le moment où la personne, par une démarche d'introspection formative, en faisant un travail sur elle-même, va dans un insight saisir le pourquoi elle avait besoin de répéter ce problème. Enfin, le temps pour décider, c'est qu'après avoir compris ce qu'on a vu, le moment de prendre la décision de ne plus répéter le symptôme. La personne n'a plus besoin de se faire représenter par le symptôme porte-parole de l'inconscient. Le refoulement est levé. Plus tard, Lacan introduira un 4e temps, ce qu'il a appelé le temps de la jouissance du symptôme. C'est-à-dire ce moment où, bien que la personne ait compris ce qu'elle a vu, elle va continuer à répéter le symptôme et à en jouir, à en tirer profit, plaisir et agrément. Et chaque fois que le symptôme se reproduira, la personne ne pourra plus éviter le sens découvert précédemment. Lacan fait un jeu de mots à ce moment-là, il écrit J'OUIS et plus loin SENS, jouissance. Nous pouvons ainsi reconstruire la chaîne signifiante de Lucrèce depuis ses premiers accouchements et sa première pénétration douloureuse, qui ont laissé une trace mnésique importante, liant comme le recto et le verso d'une feuille, cette douleur physique au signifiant serré et noué. Dans chaque nouveau rapport sexuel, et réactiver la scène inaugurale traumatique. Se tissent alors progressivement des ligatures entre le symbolique et l'imaginaire. Un peu comme dans le travail de l'IMDR, où le mouvement des yeux permet de dissoudre l'émotion liée au problème, est-ce qu'on peut dire ici que le fait d'avoir mobilisé la musculature du corps à un autre endroit que le sexe, c'est-à-dire opérer un déplacement thérapeutique, est-ce que c'est ça qui a joué? Dans son insight, elle fait la découverte de ce qui faisait sens entre son imaginaire, elle est salie pour l'éternité, elle ne pourra jamais être une vraie femme,
et le symbolique qui se répète à chaque nouveau rapport sexuel, son mari étant le spectre de son père et de son oncle amalgamé. Pour elle, le passé et le présent n'étaient non seulement pas dissociés, mais encore renforcés par une sorte de conditionnement à chaque nouveau rapport sexuel. Enfin, la rapidité de la disparition du problème recouvre pour moi une grande part de mystère. Mais elle illustre bien ce qu'a pu montrer Freud sur les mécanismes de défense du moi et les blocages qu'ils installent au fonctionnement psychique. Dès que le mécanisme de défense du moi est déjoué, le problème n'a plus lieu de demeurer, sauf si le sujet s'installe dans le temps de la jouissance du symptôme. Donc en conclusion, ce que j'ai voulu montrer dans cet exposé, c'est comment on peut se dénouer un problème à partir du moment où des connexions opèrent à partir de la réalité perceptive externe quotidienne entre le symbolique et l'imaginaire, le réel, quand on mobilise de manière active le corps en liaison avec les signifiants liés à l'histoire du sujet. Et je vous remercie de votre attention. Je vais résumer parce que je trouve que c'est important 15 minutes de ce que j'aurais voulu dire et puis pour laisser un temps pour les questions qui peuvent être éventuelles et rester à peu près dans l'horaire. Mais il y a des choses qui me paraissent importantes pour nous qui faisons de l'hypnose. Alors, ce qui me paraît le plus important dans ce que je voudrais partager avec vous, surtout que je termine par un questionnement que je me soulève. Il m'est adressé beaucoup de patientes ayant eu des relations incestueuses ou des viols, parce que je travaille ce problème grave en hypnose et je cherche à le travailler encore mieux pour être plus porteur dans l'esprit de notre époque. Mais ce jour-là, cette femme m'était adressée parce qu'elle voulait m'écrire. La première des choses que j'ai senties, je crois que c'est important d'être vigilants tous, à la première rencontre avec un patient, c'est ce que nous ressentons à l'accueil de cette personne. Et cette personne, qui avait une petite quarantaine, me donnait l'impression d'être une forteresse qui avançait vers moi, circulaire, parce qu'elle était grosse, et comme une sorte de bouée, de ce que j'appelle la circulaire de Vauban, même si nous n'étions pas à ce moment-là au XVIIe siècle. Alors, je l'appelle Edith. Elle venait pour maigrir. Elle avait pris, dit-elle, 20 kilos en 22 ans. Je lui ai demandé si tous les résultats des labos, les examens médicaux, etc. étaient corrects, normaux, etc. Tout était parfait, dit-elle. Et sa nourriture, elle mangeait presque pas. Et c'est pour ça que le médecin généraliste, ne comprenant pas, me l'avait adressé. Pour quelle raison il y a 22 ans, elle ne sait pas, je ne comprenais pas. Alors... La question qui venait, c'était est-ce que ces kilos étaient une mise à distance pour se protéger de l'autre, ou bien est-ce que c'était une protection de quelque chose qui ne devait pas être atteint ou qu'elle ne voulait pas, elle, rencontrer. Donc, en gros, quels étaient les bénéfices, entre guillemets, secondaires à ces kilos. Alors, ce que je vais vous dire s'étale à peu près en 15 mois, elle venait 3-4 fois par mois. Après un certain nombre de séances en hypnose un peu classique, j'ai vu que son corps, et elle le verbalisait, se détendait progressivement. Et dans cette sensation de détente, elle disait qu'elle s'y trouvait bien, effectivement, c'est très calme, respiration régulière, après chaque séance.
Nous, je la faisais travailler sur l'accueil des sensations que son corps lui donnait. Jamais je leur dis d'avoir une position particulière, si ce n'est que le particulier pour moi, c'est au moment T, ce qui est le plus confortable, le plus agréable pour eux, ou éventuellement la position du corps qu'ils ont envie d'avoir au moment T. Je ne demande pas si c'est une position désagréable qu'ils ont besoin de vivre ou pas. Et je leur dis qu'à tout moment, ils peuvent rectifier, peut-être encore plus ajuster avec eux-mêmes. C'est ma manière de travailler à chaque fois. Bon, elle, vous savez très bien que quand il y a des personnes qui sont comme ça, avec beaucoup de kilos, et sans avoir une attitude alimentaire très particulière, nous trouvons en règle générale, enfin très souvent, des problèmes d'inceste dans la famille, ou des histoires d'inceste sur la personne, l'inceste, viol, l'attitude incestueuse. Enfin, d'après le thème de règle. Donc, en perspective de ça, un jour où elle me disait qu'elle était très détendue, mais qu'elle pouvait verbaliser maintenant que le bas du corps n'était pas aussi détendu que le reste, elle disait qu'à chaque fois, elle le constatait, mais de plus en plus, parce que tout le reste était de plus en plus détendu. À ce moment-là, la fois suivante, je lui ai proposé, pour se mettre dans la position qu'elle voulait, de serrer ces deux points le plus fort possible en étant dans l'accueil de ce qui se passait dans ces points, dans tout son corps à ce moment-là. Puis, quand elle pensait qu'elle en aurait suffisamment serré, qu'elle ne peut pas aller plus loin, de relâcher, laisser faire le relâchement en étant dans cette sensation de relâcher. Elle le fait, puis elle éclate en sanglots et elle me parle de son vaginisme. Alors, elle ne voulait pas en parler, me dit-elle, parce que c'est pas pour ça qu'elle vient. Et puis, son mari est tellement doux, tellement gentil, qu'elle ne comprend pas pourquoi, mais elle vient parce que les kilos la gênent, elle vient pas pour autre chose. Elle avait des relations sexuelles épisodiques, très douloureuses, pas profondes, disait-elle, et elle avait mal par anticipation, et de pire en pire au fur et à mesure des années. Elle était mariée là, à l'époque depuis... Alors, là où je voudrais en venir, parce que c'est ça qui a été déterminant dans son travail, c'est que comme elle me parlait beaucoup de son mari, qui était très gentil, très prévenant, qui avait une relation vraiment extraordinaire, je lui ai demandé, pour une séance d'hypnose, de ressentir ses deux mains et de ressentir la main qui, d'après elle, pouvait être la meilleure compagne pour elle. Puis, quand elle a été dans ce moment-là, je lui ai dit, alors quand je fais faire ça, je fais vraiment tout le dessus de la main, le tour de la main, après avoir fait la sensation de poids, de chaleur, tout ce qui peut venir de présent dans l'espace, etc. Et l'intérieur de la main, et principalement le creux de la main. Et tous les patients le disent, et vous vous amusez à le faire, plus nous sommes dans le creux de la main, plus nous le sentons, plus il prend de l'importance, plus il prend une forme, du volume, une présence. On peut même en faire un dessin encore plus grand que le réel du creux. Et à ce moment-là, au bout d'un moment, je lui demande de laisser venir dans sa main, de laisser venir dans sa main l'objet qui pour elle sera le meilleur compagnon dans cette main accompagnatrice pour faire un chemin à l'intérieur d'elle. Bon, tout ce que j'ai su après, je l'ai su parce que je ne parle pas pendant ce moment. Bon, et puis avec cet objet dans la main, je lui fais accueillir la sensation de cet objet et de la sensation de ce corps avec cet objet. Et puis, nous partons dans un lieu de détente, ce qui pour elle est un lieu de détente, bien connu, bon, tout ça. Et nous sommes sur un chemin, et elle va visiter une maison.
Alors, elle rentre dans la première pièce de cette maison. Je décris ce qui peut être toute la pièce, enfin, des tas de suppositions. Et puis, elle franchit une porte qui est ouverte ou fermée, enfin une porte, pour aller dans la seconde pièce. Et je décris la même seconde pièce aussi en suggestions différentes. Et en fait, à la troisième porte, je lui dis que cette troisième porte va, une fois qu'elle aura franchi, l'amener dans quelque chose de très beau, qui sera complètement conforme à ce qu'elle attend de sa vie en elle, d'elle dans la vie, de tous les projets qu'elle peut avoir par rapport à elle. Et alors cette porte, eh bien, elle est à franchir. Là, je mets un temps, je mets l'importance de la porte à franchir. Et puis je ne dis plus rien, parce que je ne sais pas si elle a franchi ou pas. Je laisse un temps de silence. Et puis, elle me dit, je ne peux pas. C'est bien aussi de ne pas pouvoir. Et puis, nous terminons la séance d'hypnose. Je ne parle pas à ce moment-là, mais nous disons au revoir de manière très affectueuse, comme ça, dans le regard, dans le poignet de la main. Et sur le pas de la porte, je lui dis, je vous suggère de franchir la porte de ce cabinet avec une écoute de votre corps franchissant cette porte et allant de l'intérieur à l'extérieur. Elle me fait un grand sourire, elle sort le palier, elle se retourne, elle me dit, j'ai réussi. La fois suivante, je lui dis, est-ce que vous voulez que nous essayions de franchir cette porte ensemble? Vous ne voulez pas? Elle me dit oui. Nous repartons, elle met bien dans la main, etc. Et elle me dit, je suis devant la porte. Je franchis la porte. Les gonds sont tout abîmés, ça grince. Je sens que j'ai mal. Je l'aide. Bon, par des paroles apaisantes. Et puis, elle crie non, très violemment. Elle bouge les pieds, elle gigote. Je l'aide à s'apaiser. Elle me dit, je repars à franchir. Puis deux ou trois fois comme ça, puis elle éclate en sanglots et elle me prend le temps pour retrouver sa respiration et elle me dit, je comprends mon vaginisme. C'était une porte fermée et maintenant je me souviens ce qui fait que j'ai du vaginisme depuis 22 ans. Et donc elle m'a raconté son histoire de viol. Alors là, je vais très vite, mais je trouvais que c'était important de vous dire comment j'avais travaillé ça. Alors vous dire pourquoi j'ai travaillé sous cette forme, je ne sais pas, vous savez très bien qu'on me l'est porté aussi d'inconscient à inconscient, et les choses viennent, et je crois que nous avons à être dans l'accueil de ce qui se passe en nous, tant sur le plan psychique que sur le plan corporel, parce que c'est en lien. Hein, c'est comme ça que je travaille. Puis ça, je suis persuadée que ça marche comme ça. Bon, donc, elle a été violée, elle était déjà fiancée, elle a eu des relations sexuelles tout à fait normales, elle vivait dans un studio, elle est avocate internationale, et elle a été violée par son oncle, qui était également son parrain, qui venait la voir, etc. Alors, elle a expliqué qu'elle n'avait jamais dit tout ça à son mari. Elle explique, à 20 ans, quelle honte, c'est un âge où tu parles encore moins, dit-elle. On est censé s'être débattu pour que rien ne se produise. On a la force à cet âge. Je ne l'ai pas eu. Alors la faute, la culpabilité, enfin, vous connaissez tout ça. Elle a pu en parler, je résume, elle a pu en parler à son mari. Et qui a été vraiment très accompagnant. Et souvent il lui disait, mais ouvre-toi, ouvre tes portes. Tu as des portes fermées en toi, je ne sais pas ce qui se passe. Donc elle a fait le lien, et c'était là où j'en suis de mes réflexions, elle a fait le lien entre ce que Jung appelle l'animus, c'est-à-dire cette image d'homme qui, dans son inconscient, hein, souvent il y a
erreurs d'interprétation de l'animus. L'animus est l'image masculine que la femme a dans sa représentation de l'homme, mais qui est dans l'inconscience, c'est à l'intérieur, ça donne certaines attitudes, bien sûr. Grâce à son travail avec l'hypnose et l'aide de ce côté féminin également dans l'écoute de son mari, elle a réussi, elle, à consolider, à se remettre dans sa colonne, donc vraiment dans sa force intérieure. Et elle m'a appris que l'objet qu'elle mettait dans la main, qui était venu comme ça tout seul, c'était une pierre blanche qui était sur le bureau de son mari toujours, et qui est une pierre qu'il avait ramassée un jour où ils avaient passé un week-end à Étretat, où ils avaient passé un week-end merveilleux, plein de tendresse, de sensualité, sans qu'il y ait rien d'autre. Et donc, je me disais que pour mieux aider ces personnes-là lorsqu'elles vivaient déjà avec un compagnon, parce que nous savons tous qu'il y a des histoires de viol avec des femmes qui vivent avec un mari, un compagnon, et qui ont des viols, parfois même vraiment viol et pénétration. Et comment aider le couple à construire une autre forme de relation ensemble au-delà de cette épreuve. Cette femme a vraiment, par son animus, a aidé cet homme à s'ouvrir à son écoute et sans arrêt me parler de ce qu'elle aimait chez lui et de ce qu'elle, dans sa colonne, elle pouvait peut-être l'aider à ce qu'il l'aide, etc. Il y avait quelque chose de réciproque et on trouve beaucoup ce travail, cette forme de travail avec tous les archétypes de Jung. Et là où j'en suis de mon travail, c'est comment récupérer tout mon côté de psychanalyse jungienne. J'allais dire au service de l'hypnose et des patients, en le transformant en métaphore pour aider justement ces personnes, ces femmes violées, à retrouver un animus équilibré pour leur donner leur force dans leur vie et pouvoir mieux s'harmoniser, non pas violeur elle, mais elle et conjoint. Voilà, c'est ça que je voulais quand même arriver à dire. Voilà. Avant de passer aux questions, merci Mathilde. Je me disais que nos trois interventions étaient vraiment sous le signe de Janus, hein, le dieu des portes, hein, qui est aussi qui gardait le ciel et qui gardait aussi le domaine des dieux. Je trouve que voilà, c'est une conclusion pour nos trois interventions, puis on va vous passer la parole. Permettre de. Est-ce que je peux me permettre de prendre un petit peu votre suite, M. De Martino, au propos de l'histoire, parce que ça me fait beaucoup penser à une anecdote personnelle, enfin de suivi, qui du coup m'a fait venir une impression de parallèle, si tant est qu'on puisse tracer des parallèles entre des situations de personnes différentes. J'ai l'impression que ce qui est fait parallèle avec l'histoire à laquelle je pensais, je vais vous épargner le récit parce que ça suffira peut-être que je trace un parallèle. Cette femme a pu, dans une relation métaphorique, dans laquelle son corps était très impliqué, puisqu'après tout, l'histoire initiale était quand même très corporelle, elle n'a peut-être pas réfléchi à tout un tas de choses qui nous servent à nous de guide dans des réflexions qui nous rassurent, qui nous permettent de nous distancier des situations, qui nous permettent de faire un travail de thérapeute, de se rentrer chez nous en pleurant, tous les soirs du moins. Et à ce moment-là, dans une peut-être une matérialisation métaphorique de ce qu'elle n'a pas pu faire sur le moment, ce que dans des séances accompagnées par les mouvements oculaires, on propose parfois à la personne de faire ce qui lui vient, même si c'était contraire à sa morale. Je pense à un prêtre, il s'agissait de frapper l'interlocuteur qu'il, entre guillemets, revoyait devant lui. Bref, cette femme, peut-être qu'elle mettait effectivement en jeu quelque chose qui était... Alors, le stabilo je veux bien, mais c'était quand même extrêmement destructeur. En tirant sur les ficelles, sur deux des boucles, elle le blessait ou elle l'étranglait, ou elle faisait peut-être des choses qu'elle n'avait pas pu faire. Si... Bon. Oui, mais je veux bien, mais pardonnez-moi de ne pas être psychanalyste et de ne pas aller chercher le zizi et la castration. Mais c'est explicite. Donc, en tout cas, de mettre en jeu quelque chose qui émerge à ce moment-là comme une prise de décision du corps, au-delà de toute réflexion, avant une élaboration, avant même une élaboration, de pouvoir le réaliser
et de remarquer en même temps, de faire le lien avec cette énergie que je mets dans la lutte et quelque part source de souffrance, ça fait mal aux doigts de tirer sur des bouts de ficelle, hein, les boucles tirent sur les phalanges, et au moment où je relâche l'apaisement en même temps que je laisse, bref, pas besoin de chercher, il y avait peut-être aussi métaphoriquement dans son corps quelque chose de, on va dire, non pas pour rejouer, mais justement pour jouer au-delà ce qui est restait un peu coincé dans le « et qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Ce contre quoi elle luttait, enfin voilà, voilà où j'arrête de parler, mais voyez-vous pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu fais d'autre part que je vous ai parlé parce que le jeu tout compris, je m'autorise à dire qu'elle a peut-être justement à ce moment-là une incapacité à dire quoi, à dire ce qu'elle a compris. C'est une hypothèse pure. Hein. Et il est possible que j'ai tout compris, c'est mon corps semble avoir rejoint des choses, mais ça ne veut pas forcément dire, pour moi, que nous ayons besoin du pourquoi. Ce qui n'interdit pas de dire que dans notre culture, surtout depuis un siècle, on est quelque part sous infusion permanente du « tant que tu n'auras pas l'un, tu ne pourras pas l'un », et là-dedans il y a comprendre et guérir. Mais je me permets de dire que la métaphore corporelle peut être très agissante grâce à votre nœud, enfin, à vos boucles, plus précisément, et au rôle que vous avez bien voulu jouer, peut-être, moi je ne parle pas de transfert dans ce registre-là, parce qu'après tout, le transfert est peut-être plus dans l'effort, dans ce que son corps a pu rejouer, peut-être, pourquoi pas, ou autant, ou moins, je ne sais plus. Merci. Votre intervention, elle est très juste. Hein. Effectivement, au moment où je faisais tirer sur le nœud borroméen, et avec ce stabilo là au centre de nœud, j'ai effectivement pensé que ça pouvait être effectivement une image de la castration du pénis de son mari. Voilà, ça c'est notre projection à nous. Voilà, ça c'est la projection. L'essentiel est que pour elle, ce soit ce qui vient dans le corps et qui peut-être, quelque part, attendait de pouvoir être fait. Quand je faisais mon analyse, mon analyste me taraudait parce que je faisais une formation d'analyste bioénergéticien, ce que je ne pratique pas en cabinet. Et je lui racontais, par exemple, que dans les stages de formation que je faisais à l'époque, une femme pouvait taper pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure avec une raquette de tennis sur une pile de matelas, avec une telle force que même une fois la raquette s'est cassée, c'est pour dire l'énergie de laquelle cette femme tapait sur les piles de matelas. Et elle a brûlé ça, c'était la consigne du thérapeute, là, s'occuper de ce groupe, de dire des noms ou des insultes par rapport à des gens qu'il avait embêtés dans sa vie ou auxquels elle n'avait pas pu dire grand-chose. Et mon analyste me disait, mais elle était lacanienne évidemment, elle disait, mais dans ce qu'elle tape là sur la pile de matelas, il n'y a rien qui s'élabore au niveau du langage. Donc elle disait, c'est nul. Moi, je lui disais, ben, écoutez, peut-être pour vous, mais en tous les cas, les résultats sont là. Les résultats donnent des éléments thérapeutiques. Et ça rejoint un peu ce que disait l'intervenant, là, ce matin, par rapport à l'action. Je crois que c'est Clocher qui disait ça. À partir du moment où on va permettre à la personne d'agir dans la réalité, on voit ça... Je fais des stages de formation d'ethnopsychiatrie. On a ça avec les pratiques culturelles, avec les jeux de tam-tam, de chant, etc., de façon très très forte. Et on obtient des guérisons qui sont aussi spectaculaires. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, par exemple, en tant que sexologue, ce qu'on voit quand même beaucoup, c'est des gens qui y arrivent en ayant fait déjà des analyses, enfin tout un chemin. Et qui sont toujours avec leurs symptômes sexuels. Même les patients qui correspondent à nous, il y a quelque chose, je ne sais pas pour quelle raison, quelque chose qui se passe. Parce que je pense que cette personne qui est venue pour maigrir, qui est effectivement maigrie, qui a plus de vaginisme, bon, pas encore d'orgasme, mais bon, je pense que c'est pas. Elle est venue envoyée par son médecin. Mais bon, il se trouve que c'est un des thèmes sur lequel je travaille énormément, comme tout le système immunitaire avec l'hypnose.
Et ce médecin généraliste ne savait pas, mais je veux dire que il sait que je suis psychanalyste, mais il sait que je fais ce qu'on appelait à une époque de l'hypnoanalyse. Je ne sais pas si c'est un vocabulaire encore court aujourd'hui, mais je crois que nous ne pouvons aider l'autre que si nous sommes dans ce qui est vrai en nous. Et ce qui est vrai en nous, c'est le fruit de tout notre travail intérieur, mais tous nos apprentissages, nos différentes méthodes, nos cheminements. Et c'est avec notre être que l'autre peut recevoir quelque chose et prendre ce dont il a besoin. Enfin, c'est comme ça que je travaille, je crois que c'est le meilleur moyen. Donc il y a aussi, je pense, un transfert de la personne sur la technique elle-même. Quand des gens viennent pour faire de l'hypnose, pour faire de la gestalt thérapie, pour faire de la bioénergie, c'est qu'ils ont déjà comme, Bion appelait ça les préconceptions, ils ont une préconception que c'est cette technique-là qui va leur permettre de résoudre leurs problèmes. C'est vrai, mais ils avaient la même préconception vis-à-vis des lacaniens ou des personnes qu'ils avaient vues avant. Mm-hmm. Je m'autorise à le dire. Mm-hmm. Mais je voudrais rassurer, quand j'ai eu dans le passé la tentation de dire qu'il fallait faire... J'ose pas le dire au micro. Quand dans le passé j'avais la tentation de dire « Oh là là, je reprocherais bien ceci, cela, la psychanalyse », je me disais « Je peux le reprocher tout au plus à la personne qui ce jour-là m'a dit la psychanalyse ». Et de la même manière que les succès, on les donnera, on les accordera plutôt ce jour-là au thérapeute, à l'instant, au partage, ce que vous donnez, plus qu'à l'école. Et bien sûr... Qu'est-ce qu'on fait réellement? Je prétends qu'on le sait pas toujours. Même si on a une obédience, j'espère si, c'est utile, hein, avant. On n'est pas sûr de pouvoir bien comprendre ce qu'on fait et pourquoi ça peut, entre guillemets, aider ou ne pas aider la personne. Mais je crois que ça fait aussi partie du mystère de l'être et des rencontres entre les êtres, de ne pas chercher à savoir ce qui se passe. Alors, nous avons en série la revue Sexualité humaine sur les prises en charge des troubles sexuels par l'hypnose. Donc, parce que je dis notre, parce que voilà, je suis la rédactrice en chef de la revue, mais j'ai des auteurs fidèles, qui sont éminents, et nous avons fait un numéro spécial donc avec que des spécialistes de l'hypnose qui ont traité de la sexualité, donc vous pouvez trouver si ça vous intéresse. Donc, il y a une dizaine d'auteurs, dont Patrick Belay, Jean-Claude Espinoza, Thérèse Arambelle, si vous avez envie d'aller un peu plus loin. Bon, moi j'ai quand même envie de dire que malgré tout, même si effectivement c'est pas toujours ce qui se passe, c'est vrai, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher toujours ce qui se passe, c'est vrai, mais s'occuper de sexualité, s'occuper de couple, c'est quand même difficile, compliqué. Même en ayant de longues années d'expérience, je me dis que ça reste quand même un domaine, le domaine de l'intimité, et que c'est toujours un domaine sensible. Donc soyons prudents.